Maseret Nazir Daf Yud, on commence Maseret Hashem à la Mishnah en haut. Amar, il a dit, Amra parazu reni nezira, imomedet ani. Cette vache a dit, je suis nezira si je me lève. Omer adelet azeh reni nezira, imniftach ani. Cette porte a dit, je suis nezira si je m'ouvre. Cette phrase-là, comme on verra dans la Gemara, va s'expliquer complètement autrement que ce que je vais traduire maintenant. Là, c'était la traduction très simple, mot à mot. Mais en fait, c'est pas ça le sens de la Mishnah, comme on verra dans la Gemara. Bet Shammai omrim nazir ou Bet Hillel omrim ena nazir. Donc, nous avons là-dessus une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. S'il est nazir ou pas dans ce cas-là. Amar Rabbi Yehuda afkshamru Bet Shammai. Même Bet Shammai qui ont dit nazir, l'omrim ena beomer a reparas do alai korban imomedati. Bet Shammai n'ont dit pas. Bethamen n'ont pas voulu dire qu'il est nazir, ils voulaient dire que il s'agit qu'il a dit que cette vache-là, elle est interdite en éder, elle est korban, si elle se lève. Donc, voyons l'explication de cette Mishnah dans la Gemara. La Gemara demande évidemment, para mika mishtaya, est-ce qu'une vache parle? Qu'est-ce que dire cette vache a dit, je suis nazira, pourquoi doit-il être nazir? De quoi il s'agit? Amar Ami Bachama, première réponse de la Gemara. De quoi il s'agit ici? Il y avait devant lui une vache accroupie. D'Amar, et il a dit, qui se voura para zou, cette vache-là, elle doit penser, et naomedet, qu'elle ne peut pas se lever. Elle n'arrive pas à se lever, elle est lourdement accroupie, elle ne peut pas se lever. Areni nazir mim sara, imam dam elea. Je suis nazir de sa viande, je suis interdit de sa viande, si elle se lève toute seule. Vamdam elea, et elle s'est levée toute seule, elle a réussi à se lever. Donc là, il doit craindre peut-être qu'il est nazir. Il a dit, si elle se lève, si elle arrive à se lever, je serai nazir de sa viande, et voici qu'elle a réussi à se lever, donc il doit être nazir peut-être. Galchou Bet Shammai l'Shitatan et Bet Hillel l'Shitatan. Bet Shammai, ils suivent leur opinion, et Bet Hillel aussi. Bet Shammai d'Amri Menegogarot Minadvela Ave Nazir. Selon Bet Shammai dans la Mishnah précédente, qui ont dit, quelqu'un qui dit je suis nazir des figues, il est nazir, parce qu'on explique ses paroles, on corrige ses mots en disant non, il voulait dire qu'il est nazir de vin, nazir normal. Donc ici aussi, Achana Mikamar Mimsara Ave Nazir. Ici aussi, quand on a dit je suis nazir de sa viande, il est nazir de vin, nazir normal. Bet Hillel Amrim Lo Ave Nazir. Selon Bet Hillel, il n'est pas nazir. Comme on a vu dans la Mishnah précédente à propos des figues, ici aussi c'est pareil. Donc à propos des figues, on a vu que selon Bet Hillel, celui qui dit « je suis nazir des figues », il n'est pas nazir. On dit il a mal dit, il a mal, recommence. Eh bien, ici aussi, quand elle a dit « je suis nazir de sa viande », si elle se lève et qu'elle s'est levée, il n'y a pas nazir de viande. Nazir, c'est du vin. Donc il n'est pas nazir du tout selon Bet Hillel. Donc finalement, la Mishnah se dit comme ça. On reprend la Mishnah maintenant en haut. Amra parazu, cette vache-là a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? En étant comme ça, par terre, elle doit se dire, dit l'homme qui la voit comme ça, elle doit se dire, j'arriverai pas à me lever. Eh bien, l'homme complète et la pensée de la vache, il dit, tu sais quoi? Areni nazira, je suis son nazir à elle, donc je suis nazir de sa viande, nazir d'elle, écarté d'elle-même, im omedet. Si elle se lève toute seule, Annie, donc ça revient sur moi qui suis nazir de sa viande. Pareil pour la porte. Il a dû se dire, cet homme-là, je suis nazir d'elle si elle s'ouvre. Je suis nazir de la porte si elle s'ouvre, c'est-à-dire que la porte a été fermée, bloquée, personne n'arrive à l'ouvrir. Et celui qui la voit comme ça, il dit, ben, cette porte-là doit se dire, j'arriverai jamais à m'ouvrir. Et l'homme, il complète, il dit, ben, tu sais quoi, Areni Nezira, donc je suis nazir d'elle, je suis écarté, interdit de cette porte-là, imiftar, si elle s'ouvre d'elle-même, si la porte arrive à s'ouvrir, je serai interdit de profiter de cette porte-là, Ali, ça revient sur la personne qui a dit, je suis nazir d'elle. Et donc ici, il se trouve finalement que la vache, elle a réussi à se lever, ou la porte a réussi à s'ouvrir, et c'est là où donc il doit être nazir de la vache ou de la porte, et donc, est-ce qu'on va traduire ça par nazir classique, normal, de vin ou pas? On revient à la marque de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc, Bet Shammai omrim nazir ou Bet Hillel omrim en nazir.
Demande à Gmara Vamarua Betsamay Khadazina. Betsamay l'ont déjà dit dans la Mishnah des figues. Pourquoi ils ont eu besoin de le répéter à propos de la viande? On a déjà vu dans la Mishnah précédente Nazir de figue, est-ce qu'il est Nazir ou pas? Ici, pourquoi c'est la peine de répéter Nazir de vache s'il est Nazir ou pas? Amarava Tartetlat, répond la Gmara. Oui, c'est vrai, la Mishnah s'est répétée 2-3 fois. Vechen Tanir Apriya Tartetlat, Vechen Amarabiosha Tartetlat. Oui, effectivement, 2-3 fois, la Mishnah a dû répéter son idée que Nazir de quelque chose qui n'est pas du vin, est-ce qu'il devient Nazir automatiquement du vin ou pas? C'est la marquette de Beit Shammai et Beit Hillel. Ou Triche, on a besoin de cette répétition-là dans la Mishnayot. Les Itmar, Beagro, Garot, Utvela, si on a vu que le cas des figues, Atamudam, Re Beit Shammai avait Nazir. J'aurais dit, là-bas, Beit Shammai disent qu'il est Nazir de vin. Mishu de Michal, Fan, Beanavim. Parce que des figues, c'est des fruits, des raisins, c'est des fruits. Il a dû se tromper. Il voulait dire, je suis Nazir sûrement de raisins. Et c'est sorti les figues. Et donc, nous, on le refait, on le ramène à sa naziroute de vin. Aval basar banavim lo michlaf. Mais la viande et les raisins ne se confondent pas. Donc ici, quand il a dit nazir de viande, j'aurais pu croire que même selon Beit Shammai, il n'est pas nazir, ça se confond pas. C'est que quand il a parlé de figues que je peux dire, bon, il voulait dire des raisins, c'est devenu des figues. Et donc, la Mishnah a eu besoin chez nous de nous répéter cette idée-là, que même à propos de la viande, eh bien, selon Beit Shammai, il est nazir. Si on avait eu que la viande, j'aurais dit, Achaudemre Beit Shammai avait nazir. C'est ici que Beit Shammai ont dit qu'il est nazir. Pourquoi? Parce que la viande, le vin, c'est la fête. Ça se confond. C'est le grand repas. Mais les figues et le vin ne se confondent pas. Kamash Malam, qui est ici aussi selon Beit Shammai, quand il a dit nazir de vin, de figues, il est nazir de vin. Si on avait eu ces deux cas-là, figues, et vache, j'aurais dit Haneu de Kamre Beit Shammai. C'est ici que Beit Shammai ont dit qu'il est nazir. Aval Delet et Mamodou le Beit Hillel, mais nazir de la porte, ça veut dire quoi? Il n'y a pas, ça ne se confond pas avec du vin. Le vin, les raisins, ce n'est pas des portes. Donc ici, j'aurais pu croire que Beit Shammai serait d'accord avec Beit Hillel, qu'il n'est pas nazir du tout. C'est pour ça qu'ils ont eu besoin de répéter, même à propos de la porte, qu'il est nazir. Vitana Delet, et si on a vu que le cas de la porte, j'aurais dit Da Kamre Beit Hillel. C'est ici que Beit Hillel ont dit qu'il n'est pas nazir, parce que nazir de porte ne se confond pas avec nazir de vin. Aval be'ar tarte, mais dans les deux premiers cas, j'aurais dit, et mamodulo le Beit Shammai, ils doivent être d'accord avec Beit Shammai que nazir de viande ou nazir de figue, sûrement il voulait dire de vin, et ça s'est confondu dans sa tête. Et c'est devenu des figues ou de la viande. Mais on devrait craindre qu'il est nazir. J'aurais pu croire que Beit Hillel serait d'accord avec Beit Shammai. Kamash malan de l'eau, bien notre Mishnah nous apprend que dans tous ces cas-là, selon Beit Hillel, il n'est pas nazir. Selon Beit Shammai, il est 8 nazir. Amar Rava. Rava n'est pas d'accord avec toute cette traduction dans la Mishnah, toute cette manière de comprendre la Mishnah de Rami Bar Chama. Rava n'est pas d'accord avec. Amar Rava. Mikatan, est-ce que la Mishnah a enseigné Imam Dam et Léa? C'est dit comme ça. Dans la Mishnah, on a vu, la vache a dit, je suis Nézira. Donc selon Rami Bar Chama, ça veut dire Nézira, Nazir d'elle, Nazir Shela. Nazir Mimena, Nazir donc de la viande. Imomedet, si elle se lève, Rami Bachama a ajouté un mot important, mais elle est à d'elle-même. La vache a dû se dire, dit le monsieur qui les voit comme ça, elle a dû se dire, si elle arrive à se lever toute seule, je suis Nazir d'elle. Le mot toute seule n'est pas écrit dans la Mishnah. C'est Rami Bachama qui l'a ajouté dans la Mishnah. Et il n'est pas important. En fait, la machloquette selon Rami Bachama, c'est une machloquette de savoir Nazir de viande, s'il est Nazir de vin ou pas. Pourquoi tu as besoin de me rajouter toute cette histoire-là derrière ce nazir de viande avec la vache qui était par terre et qui n'arrivait pas à se lever, qui a dit je suis nazir d'elle, et si elle se lève toute seule, tu as dû ajouter un mot dans la Mishnah qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Autour de ça, tu as dû faire toute une histoire sur la vache qui ne sert à rien. À quoi, pourquoi la Mishnah doit parler de ce cas-là? Et là, Marava. Rava explique la Mishnah autrement, complètement. Quand j'étais à Paris, Rebouta, les Fanav. Donc, c'est vrai, on maintient en fait que la vache, elle lui accroupie devant lui. Gamar, il dit, Are alai korban. Cette vache-là, elle est korban. Elle est korban, je vais en faire un korban. Donc, si vraiment on arrive à la lever, j'en ferai un korban. Donc, un korban de nazir, ça le rendrait nazir. Parce que les Nézirim, ils avaient l'habitude, après, quand ils terminent leur Nézirut, d'amener avec leur corbanote obligatoire d'autres corbanotes.
Et donc la vache, elle pourrait l'être. Et donc c'est là-dessus qu'il dit qu'elle serait Corban. La Gemara dit ça ne tient pas. Cette explication de la Mishnah ne tient pas. Mishlama para, bat Corban, la vache, ça va encore. On peut en faire un Corban. Et la délette, bat korbani, mais une porte, il peut en faire un korban, il peut sacrifier une porte au bat amigdash comme korban. C'est vrai que Nicanor, il a offert des portes au bat amigdash avec tout le miracle qu'il a eu. Mais ici, korban, c'est korban de nazi, et quel rapport avec une porte? Et là, Marava. Donc, la Gemara, Rava explique, complète son explication. Kegon, j'ai ta parage rebouta les fanab. Donc, on reprend la vache, j'étais devant lui par terre. Dehamar, on tourne la page, il a dit, Areni Nazir Miyain, je suis Nazir de vin. Imlo Amda, si elle ne se lève pas. Si la vache ne se lève pas, je suis Nazir de vin. Donc, c'est-à-dire, je suis certain qu'elle va se lever. J'arriverai à la lever, elle va se lever, elle va pas rester comme ça. Et d'ailleurs, je suis prêt à être Nazir, si vraiment, si jamais, elle ne se lève pas. Amda Meleha, voici que la vache s'est levée toute seule. Betamai savrait. Betamai pense, il est nazir. Pourquoi? Parce qu'il a voulu prouver qu'il est capable de la lever. Qu'il est assez fort pour pouvoir la lever. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit, si je ne la lève pas, je suis nazir. Or, ici, elle s'est levée toute seule. Donc, il ne l'a pas levée, donc il est nazir. Donc, Betamai savrait, Betamai pense, Tourfedai Gavra, l'essentiel de l'idée de cet homme-là, Mishum Ukma Biadeu, c'était qu'il, de prouver qu'il peut la lever. Vers le Hukma. Or, il ne l'a pas levée, donc il est nazir. Ou Betilel savrait, Betilel, ils disent non, c'est pas ça l'histoire ici. Mishum de Reviahu. Ce qui le dérangeait, c'était de la voir comme ça, couchée par terre. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, si, c'est pour ça qu'il a dû dire, si elle ne se lève pas, je suis nazir de vin. Elle va se lever, elle va finir par se lever, d'une manière ou d'une autre. Ve'akamat, et voici qu'elle s'est levée. Donc, il n'a pas besoin d'être nazir. Donc, d'après ça, la Mishnah doit se lire comme ça. On reprend la Mishnah, donc on revient au début de la page, du daf. La Mishnah disait comme ça. Amar, cet homme-là qui a vu la vache, il a dû dire. Il a dit, Amra parazu, cette vache-là, elle doit se dire qu'elle n'a pas, impossible qu'elle puisse se lever. Et donc, Reni Nazira, je suis nazir pour elle. Par rapport à elle, je suis nazir. Il faut ajouter un mot, l'omedet. Si elle ne se lève pas. Donc, d'après Rava, il manque un mot ici dans la Mishnah. Il faudrait l'ajouter, in l'omedet. Si la vache n'arrive pas à se lever, je suis nazir pour elle. Pareil, la porte a dû se dire, je suis, qu'elle ne peut pas s'ouvrir, et d'ailleurs, je serai nazir pour elle si elle s'ouvre. Et donc, d'après ça, on comprend la marque de Betsamaï et Betilel qui est directement en rapport avec le problème de la vache qui ne se levait pas et de la porte qui ne se débloquait pas, qui ne s'ouvrait pas. C'est ce que Rava a gagné par son explication. Demande à Gemara, Emma, je sais pas comment tu comprends la fin de la Mishnah, Marab Yehuda. Afshamru Betsamaï et même Betsamaï qui ont dit les nazirs, c'est pas qu'il est nazir de vin. L'amru et la Beomer, Aren Alay Korban. Il ne s'agit que de quelqu'un qui veut dire « c'est pour moi un korban ». Parami kamatfisba mide, si il s'agit, comme tu as dit, qu'il est nazir de vin, quel rapport ici avec la vache qui sera korban ou pas korban? C'est pas de ça qu'il s'agit. D'après Rava, il doit être nazir de vin. On ne parle pas ici d'être korban ou pas korban. On ne parle pas ici de dire que la vache elle-même elle a une interdiction. Et là, l'Egma corrige et explique enfin la lecture de la Mishnah d'après Rava. Kegon d'Amar, il veut dire comme ça. Il a dit « Areni Nazir Mitzara ». Donc on revient en fait à la première explication qui disait « Nazir de sa viande ». « Je suis Nazir de la viande de cette vache-là. »« Imlo Amda » si elle ne se lève pas. « Vamda Meléa » et elle s'est levée toute seule. Donc il voulait dire comme ça. Elle ne va pas rester comme ça couchée par terre. Elle va finir par se lever. Je vais finir par la lever. Et si je n'arrive pas,
si elle ne se lève pas, je serai nazir de sa viande. Donc ici, en fait, on touche deux points. On touche le point de nazir de la viande, est-ce qu'il est nazir de vin? Deuxièmement, on touche la question, est-ce que si elle se lève toute seule, ça marche ou ça marche pas? Donc, Batsama y savre tout, Peda ou Gavra. Batsama pense que l'essentiel de l'idée de cet homme-là, Mishum Ukma Biadeu, c'était de montrer qu'il peut la lever lui seul. Vehalo Ukma, elle s'est levée toute seule. C'est pas lui qui l'a levée. Si c'est pas lui qui l'a levée, il doit accomplir son éder. Donc, il doit être nazir de sa viande. Et d'après Batsama est nazir de la viande, ça le rend nazir, de vin, comme on a vu. Donc, il sera nazir. Ou Batil el savre, tout Peda ou Gavra, mais Batil pense que l'essentiel de l'idée de cet homme-là, c'était pas qu'il prouve qu'il peut, qu'il est capable, qu'il a la force de la lever. Mishum de Revia, il ne pouvait pas accepter l'idée de la voir comme ça couchée par terre. Et donc, il a dit, si elle ne va pas finir par se lever d'une manière ou d'une autre, je serai nazir de sa viande. Ve'akamat, or voici qu'elle s'est levée. Donc, il n'a pas à être nazir, ni de sa viande, ni de vin, ni de rien du tout. La Gemara demande, mais où Bethilel elle savrait? Est-ce que Bethilel vont dire alors, il okamat, que si elle ne se lève pas, Avenazir, il sera nazir. Ve'amre mibsaral, Avenazir. Pourtant, Bethilel ont dit, un homme qui dit je suis nazir de sa viande, il n'est pas nazir. Donc, comment tu dis ici que selon Bethilel, la raison pour laquelle il n'est pas nazir, c'est parce qu'elle a fini par se lever toute seule. Et que cet homme-là, même si elle se lève toute seule, il n'avait pas l'intention d'être nazir. Ne dis pas comme ça. Dis, tu sais quoi? Ça voudrait dire que si elle est restée comme ça couchée par terre, il doit lui être nazir. Or, selon Bethilel, il n'est pas nazir quand il a dit nazir de la viande. Répond la Gemara, les Tamei ou Bede Betchamay Kamre. Bethilel, eux, ils pensent, ils s'adressent à Betchamay. Et ce qu'ils disent ici, c'est un argument qu'ils disent contre Betchamay. Bethilel disait à Betchamay comme ça. L'élidan d'après nous, Bethilel, afilou kamat namilo nazir. Même si elle ne se lève pas du tout, il n'est pas nazir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si elle ne se lève pas, je suis nazir de sa viande. Elle ne s'est pas levée. De quoi il sera nazir maintenant? De la viande, ça n'existe pas. Du vin, il n'a pas dit, donc il n'est pas nazir selon Bethilel. Ça, c'est pour nous, Bethilel. De la divrou, mais d'après vous, Betchamay, d'amrito avenazir, qui pensait, d'après vous qui dites qu'en principe, nazir de viande, il doit être nazir de vin. Odulan miyat, soyez d'accord cependant avec nous, que dans ce cas-là, qu'elle se lève toute seule, il n'a pas besoin d'être nazir. Les tourpés d'Aden Gavra, sûrement l'essentiel de cet homme-là, Mishum de Revia, c'était de dire qu'elle ne va pas rester comme ça couchée par terre, elle va finir par se lever. Donc d'une manière ou d'une autre, elle s'est levée, il ne doit pas être nazir, il n'a pas besoin d'être nazir. De Akamat, voici qu'elle s'est levée, pourquoi vous dites qu'il est nazir? Ou Bet Shammai répond à Bet Hillel, non, lave. Tourpeda et Gavra, l'idée de cet homme-là essentielle était Mishum Ukma Biadeu, c'était de prouver sa force, qu'il arrive à la lever. Mais Allo Ukma, or il ne l'a pas levé. Donc puisqu'il ne l'a pas levé, il a bien dit qu'il doit être nazir de sa viande. Et d'après nous, Batshama est nazir de sa viande, c'est nazir de vin. Donc c'est pour ça que selon Batshama, il doit être nazir du vin, selon Batshama, il n'est pas nazir du tout. Et là-dessus vient Rabbi Yehuda et dit que même Batshama qui ont dit il est nazir, il n'est nazir que de sa viande. Là, d'après Batshama, si on dit qu'il est nazir, c'est pas nazir de vin d'après Betchamay, puisqu'il a dit nazir de viande, ça reste nazir de viande. C'est le même Rabbi Yehuda qui a dit dans la Mishnah précédente que selon Betchamay, pour les nazirs, le nazir des figues, il n'interdit que des figues. Ici aussi, il n'interdit que de la viande de la vache. Donc, revoyons la Mishnah maintenant selon la dernière explication. On reprend la Mishnah, donc au début du daf. Amar, un homme a dit, Amra parazou et cette vache-là, a dû se dire qu'elle ne peut pas se lever. Areni Nazira, je suis nazir de sa viande. Im lomedet. Il faut dire, ajoute le mot, si elle ne se lève pas. Donc, im lomedet ani, si elle ne se lève pas. Omer Adel et Azepa, et la porte a dû se dire qu'elle ne peut pas s'ouvrir. Et donc, Areni Nazira, je suis interdit de cette porte-là, je ne pourrai pas en profiter, je suis nazir de la porte. Si elle ne s'ouvre pas. Finalement, la vache s'est levée toute seule et la porte s'est ouverte toute seule. Betchamay Rim Nazir. Selon Betchamay, il est nazir parce qu'il voulait prouver sa force, qu'il arrive à ouvrir la porte. Et elle s'est ouverte toute seule, qu'il arrive à lever la vache, mais elle s'est levée toute seule. Donc, il n'a pas réussi à montrer sa force, il doit être nazir. Et quand il est nazir de vin. Parce que selon Betchamay, nazir d'une porte, c'est nazir de vin. Nazir de la vache, il devient nazir du vin. On mettait l'omrim et non nazir. Selon Bethilel, non, il n'y a aucune raison ici d'être nazir. Premièrement, parce que d'abord,
voici que la vase s'est levée, ou la porte est ouverte, peu importe par lui ou quelqu'un d'autre, c'est, elle s'est ouverte, c'est l'essentiel. Deuxièmement, nazir de viande, c'est pas nazir. Nazir de porte, c'est pas nazir non plus. Amar Rabbi Yehuda, Ask Shemru Bet Shammai, même Bet Shammai qui ont dit, selon Rabbi Yehuda, même Bet Shammai qui ont dit qu'il est nazir, lo omrim el abomer a reparaz valai korban imam edati. Bet Shammai n'ont que l'intention de dire qu'il est interdit de la vache, de la viande. S'il n'arrive pas à l'élever, qu'elle s'est levée, toutes ces histoires-là. Donc, ça ne l'interdit que de la viande de la vache, mais pas qu'il devienne nazir de vin pour de vrai.